Bon, du coup. Faisons tous les petits lieux qu'on n'a pas fait. Ici. On faisait le grand tour comme ça. Et qu'on finira sur ça. Rien de spécial, ok. La taille du soleil, quoi. Je crois qu'à chaque fois j'ai la même réaction quand je refais le jeu. Il n'y a rien d'autre à part Pushanka? Ah mais si, en plus on va avoir un autre pote. Les berserkers ne recrutent que des groupes. Attention humaine. Le chef du clan veut vous parler. Surveillez votre bête en route. Qu'il passe le rite rapidement, ou bien on l'abattra. Laissez-moi passer, j'ai des affaires à régler. Allez régler vos affaires avec le chef du clan. Vous savez ce qu'il a ? Il n'a rien. Allez voir le chef du clan. Un jour, on partira de ce caillou pour aller casser du Turia. Ouais, bien dit. On leur arrachera les écailles. Les données du clan Urnot utilisent un mode de cryptage trivial. Un captif galarien est mentionné à plusieurs...
à l'éclaireur. Il était là la semaine dernière, quand le camp des femelles nous a envoyé les enfants. Bon, Varenne. Bon, Varenne. Pas bouger. Salutations, humaine. Mon nom est Ratch. Regardez ce que j'ai à vous proposer. Tout le monde ici déteste voir des non-Krogan chez les Hurnotes. Tout le monde sauf vous. Je peux pas me permettre de refuser des clients payants. Je traite suffisamment avec les autres races pour savoir que vous avez plus de crédit que les gens du coin. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Principalement des boissons et des aliments toxiques pour les humains. Le Wrinkle notamment, une spécialité locale. Un conseil, ne cherchez pas à jouer les gros bras. Ça vous déchirera les entrailles. C'est pas des conneries. Boire du Wrinkle, pour un alien, c'est comme boire du verre pilé. Sinon, j'ai des armes, de la ferraille, et le peu de nourriture que les Pidjacks ne volent pas. C'est-à-dire pas grand-chose. Jetez un coup d'œil à mon kiosque par là-bas, si vous voulez acheter quelque chose. C'est quoi un Pidjack ? De la vermine venue d'une autre planète. Les humains les comparent à des singes. Ils passent leur temps à voler de la nourriture, du Wrinkle, tout ce qui leur tombe sous les serres. On s'est mis à utiliser les tourelles de défense pour les arrêter. Je vise bien. Je peux peut-être vous filer un coup de main contre les Pidjacks. N'hésitez pas. Vous pouvez utiliser la console là-bas pour contrôler les canons. Réduisez un peu leur nombre et je vous fais une remise. Eh bien, bonne chance. Je dois partir. On va prendre la remise avant, là. Elle a des enfants. Il n'est plus que quelques années de vie. C'est ça la fabuleuse planète d'origine des Krogan ? Les terres de Kodak, Chagur et Véol. Ce morceau de caillasse. Voyons ce que vaut une humaine. Oh, ça se termine quand ces conneries? Qu'est-ce qu'il y a ?
Vous me faites chuer la bosse. À plus tard. Attention, Humed. J'ai joué à attrape le varenne avec le petit. J'ai perdu la moitié de mon stock, hein. Qu'est-ce que c'était bon de voir cette vermine retenir un coup de munition explosive. C'était très rigolo. Alors n'hésitez pas à remettre ça. Si vous avez envie de vous défouler, il y a largement assez de pidjack. Je vous fais une remise dans ma boutique. Tout ce que vous voulez, je vous le vends à prix coûtant. Je dois partir. Je vais prendre ça, on ne sait jamais. Ah, j'avais assez de crédit. Je crois que je devrais demander un droit de parenté. Pourquoi t'embêter avec ça? T'as fait un fils? Tu peux être fier. Ouais, mais tu pourrais lui miser de l'argent digne de ce nom humain. One shot. On regarde droit devant. Un prétexte. Vous croyez que j'ai le temps de discuter? J'ai du boulot, moi. Ces idiots ont ramené ce Tomcat d'une fusillade sans son collecteur d'échappement. Soi-disant qu'il aurait essuyé un tir. Alors dites-moi, comment est-ce que vous voulez faire avancer un Tomcat sans collecteur d'échappement? Vous savez où trouver ce collecteur? Ouais. Je peux en fabriquer un. Donnez-moi 3 jours et un tonneau de Rincol. Celui qu'ils ont perdu doit être quelque part sur le champ de bataille. On va pas leur demander d'aller le chercher, les pauvres petits. Je n'avais encore jamais vu de mécano Krogan. Bah quoi? Vous pensez qu'on kidnappe des cariens pour leur faire faire le sale boulot? Ah, les bâtards. Eh ben non, on a arrêté. Je vais au champ de bataille. Si j'aperçois un collecteur d'échappement, je vous le rapporte. C'est sûr que ça m'économiserait pas mal de travail. J'aurais un peu le temps de souffler. Je vous laisse tranquille. Faut pas vous sentir obligé. Ce serait bien si pour une fois ils pouvaient éviter de se taper tous les cratères. Génophage, attaque nucléaire, guerre civile. Les Krogan survivent à tout cela. Oh, il y a le dernier morceau de fusil d'assaut. Qui êtes-vous? Je suis Fortak, grand chef scientifique du clan Urnot, et je n'ai pas le temps de répondre à vos questions ineptes. Combien d'humains est-ce que le chef de clan laisse libre de côtoyer les Urnot? Très peu, ce qui nous amène au motif de votre présence. J'ai gagné le droit d'être traité en égal. Vous voulez que je vous montre comment? Non. Bon. Mais si vous interférez avec mes recherches, je vous ferai expulser. Vous êtes chercheur, je présume. Autrefois, j'étais chercheur. Je concevais des armes. Maintenant, je gaspille mon génie en frivolité, en appareils qui n'explosent pas. Mon prédécesseur affirmait que personne ne comprendrait la valeur de mon travail. J'ai su qu'il disait vrai au moment même où j'ai extrait mon couteau de sa poitrine. Vous devez travailler sur quelque chose d'important. J'avais commencé à construire la pièce d'artillerie la plus énorme et la plus puissante jamais conçue. Un chef-d'œuvre. Mais ce nouveau chef de clan me fait perdre mon temps en futilité. Agrogénétique, amélioration médicale, tout ça on peut l'acheter aux Galariens. Les Galariens ont créé le génophage, paraît-il. Vous leur confiez quand même vos technologies médicales et agricoles? Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire de pire maintenant, hein? On ne risque pas de devenir encore plus stérile. En fait, mettons que je n'ai rien dit. Vous devez travailler sur quelque chose d'un... J'avais comment... Mais...
En fait... Vous êtes chercheur, je présume. Vous êtes chercheur, je présume. Mon prédécesseur affirmait que personne... Quand on vous a proposé une chaire, vous avez du mal comprendre. C'est ça. Ironiser. Nous attachons de l'importance à la volonté d'utiliser ce que nous créons, au moins autant qu'à la faculté de le créer. La seule mesure d'une invention, c'est le séisme qu'elle engendre. Oui, oui. Allez-vous-en. Toujours à demander des amortisseurs. Reculez, mon Varenne a faim. Halt. Vous devez attendre que le chef du clan vous fasse appeler. Il est... en pourparlers. Tu sais ce qu'exige la tradition. Le clan Urnot doit réagir. Tes réformes ne feront pas l'unanimité. Tu cours le risque de paraître faible au plus mauvais Shepard. Moment. Ça ira. Dégage. Excusez-moi. Shepard, mon ami. Vous avez l'air en forme pour une morte, Shepard. J'aurais dû me douter que le néant ne pourrait pas vous retenir. À ce que je constate, votre implication contre Saren et les Geth vous a bien servi. Je suis contente de ne pas avoir dû vous tuer sur Vyrmir. C'est vous qui avez permis à Urnot d'accéder au pouvoir. Vyrmir a été un tournant pour les Krogan, même s'il n'a pas fait que des heureux. La destruction du remède contre le génophage que préparait Saren nous a soustrait à ses manipulations. J'en ai profité pour pousser les clans à se rallier sous l'égide Urnot. Tu as abandonné bien des traditions pour en arriver là. Tu joues avec le feu. Ah, je le voyais venir. Ah, je m'en rappelais du scout de tête. Tu feras accéder ton clan à la gloire, que ça lui plaise ou non. Sur ce, Shepard, qu'est-ce qui vous amène ici? Que devient le Normandie? Détruit pendant une attaque surprise des récolteurs. J'ai été éjecté dans l'espace. Comme quoi c'est utile d'avoir un système nerveux de rechange. Ou pas, dans le cas des humains. Non. Alors je n'aurais pas voulu être à votre place. En tout cas, vous voilà, et aux commandes d'un vaisseau flambant neuf. Ça me rappelle le bon vieux temps. Vous et moi, l'inconnu et des gros flingues. C'était bien. Vous avez l'air bien décidé à réformer les Krogan. Nous constituons une zone neutre où tous les clans sont les bienvenus, où tous peuvent se partager les femelles fertiles. Nous allons renforcer toute notre race. Tu menaces tout ce qui fait notre force. Ça ne durera pas. Peut-être. D'ici là, estime-toi heureux d'en faire partie. Comment vous faites pour assurer la sécurité avec tant de clans au même endroit? N'importe quel clan disposé à rapatrier ses otages peut nous rejoindre. Pas de combat dans le camp. Chaque clan punit ses propres criminels. Nous mettons fin au conflit avant qu'il y ait des morts. Ensuite, les factions en présence ont un choix simple. Payer une amende et régler leur problème. Salut Joker. Salut tout seul. Le bâtard. Eux et tout leur clan. Compte tenu des habitudes Krogan, c'est plutôt clément. Les alliés des autres clans apprécient cette mesure. Ils contribuent à éliminer les sceptiques. Beaucoup ont besoin d'un exutoire. À chaque fois que j'ai ostracisé un clan, mes alliés l'ont détruit. Évidemment, l'effet est dissuasif. J'espère que vos méthodes porteront leurs fruits. Mais revenons-en au motif de ma venue. Il est rare qu'on laisse les aliens venir traiter sur Tuchanka, mais vous êtes une exception. Vous avez l'air bien décidé. Sortez. J'espère. Il est rare. Vous avez l'air bien. Sortez. Ah. Il est rare. Vous avez l'air bien. Sortez. Sur toute la ligne. Quel est l'intérêt de maintenir des clans distincts? Chaque clan a ses propres coutumes. Ses bon, normalement, le cœur, ce soir. Guerriers. Normalement, fini le jeu. C'est la diversité qui fait notre grandeur.
Aucun clan, pas même le mien, ne peut se permettre l'autarcie. Les Urnotes sont le clan dominant. Votre culture aussi, du coup, non? Pour l'instant. Mais chaque clan a ses atouts propres. Les meilleurs tacticiens sont des Urnotes. Jorgal a la plus longue lignée. Gatatog, la communauté la plus ancienne. Ah, chacun. Alors, par contre, si on finit, ça risque d'être à. Si nous continuons tard. Ainsi, bientôt les clans. Mais là, j'ai pas commencé si tôt, je me suis tapé une sieste. Même une donc ouais, 22h, et 21h. Prendre un nouveau départ. Qu'est-ce que les femmes du clan Urnot en pensent? L'idée venait de notre clan des femelles. La sécurité de la zone neutre encourage les autres femelles à s'allier avec nous. Aujourd'hui, les attaques que subissent les Urnot mettent en danger les femelles de tous les clans. Même ceux qui souhaitent ma mort sont prêts à défendre le clan Urnot. Ça m'a l'air très ambitieux. Quel résultat jusqu'ici? Meilleur que mes craintes, pire que mes espérances. Ça ne peut pas continuer. Tu vas à l'encontre de tout ce qui fait notre force. J'espère que... Il est rare qu'on laisse les aliens venir traiter sur toute Shanka. Mais vous êtes une exception. J'ai un Krogan dans mon commando. C'est comme tu veux. Il a quelque chose comme une maladie à guérir. Dis-toi que la fin de Mass Effect 2, il est épique. Même tout Mass Effect 2. Là, je vais faire une mission épique, en fait. Ton clan a été détruit avant de t'indiquer ce qu'il attend de toi. Je n'ai pas de clan. J'ai été élevé en cuve par le chef de guerre Okir, des sangs mêlés de Kredak, Moreau, Shadur. Tu débites les noms, mais tu es l'enfant d'une seringue. Je suis un Krogan pur. Tu devrais t'émerveiller. Okir est un nom très ancien. Un nom qui suscite beaucoup de haine. Il est mort. Bien sûr. Tu es avec Shepard. Comment pourrait-il être en vie? Vrex, ce nom vous dit quelque chose? C'est celui d'un chef de guerre brutal qui a causé bien des morts. Et qui, à ce que je vois, a trempé dans la génétique. C'est son clone qui entreprend le rite. Comment peux-tu y songer? Faire passer cette aberration à l'âge adulte? Ah, tu vas trop loin. Il n'en a pas. Il devient un adulte à part entière. Ah, un rituel de puberté. Fréquent chez les espèces manifestant des besoins hormonaux de reproduction. Qu'importe les noms des aliens. Les Krogan, ce sont de passage. Tu dépasses les bornes, Vax. Ton clan est peut-être au pouvoir, mais cette aberration n'est pas Krogan. Idiot. Alors, Grunt, tu souhaites devenir Urnot? Ça consiste en quoi, le rite de passage? Demandez au chaman, Shepard. C'est à lui de vous répondre. Vous voulez bien d'un Krogan élevé en cuve chez les Urnot? Pour la seule raison qu'il vous accompagne. Après tout, on en a tué des milliers comme lui, vous et moi. Pas aussi gros, mais nombreux. Le clan Urnot est fort. Les autres m'obéiront. Ils voient ce que je peux leur apporter. Qu'est-ce qui arrivera s'il ne fait pas ce rite de passage? S'il restait là, il serait tué. On ne respecte pas les parias, encore moins ceux élevés en cuve. Rite ou non, c'est son naturel de Krogan qui s'exprime. Okir ne t'a pas parlé de ça dans la cuve. Pas vrai, petit? C'est à lui de décider. J'ai ça dans mes veines. J'ai été conçu pour ça. Bien dit. Parle au chaman. Tu le trouveras au deuxième niveau. Impressionne-le et il te mettra sur la voie. Vous aussi, Shepard, combien de fois vous vous êtes mise dans le pétrin pour votre équipage? Ça me fait plaisir de vous revoir, Vrex. Vous ne voulez vraiment pas nous suivre? J'aimerais bien. Mais je dois mettre ces idiots au pas. J'aurais kiffé de l'avoir dans mon équipe. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ne nous ont pas mis dans les keys de Mass Effect 3.
moquer un Krogan. Vrex dans l'équipe, mais... T'as vu le flash spécial sur l'extranet ? Ce truc va te ramollir le cerveau. Tu devrais plutôt chasser ou au moins réparer quelque chose. Je vais te réduire en miettes. Tu n'as pas le cran de faire ça. Regarde droit devant. Tu vas trop loin, Gatatog Uvenk. Les rites des Jurnotes ont préséance. Qu'est-ce qui nous dit qu'il acceptera de l'affronter ? Il est anormal. Les créatures du rite pourraient n'y voir qu'un morceau de plastique. Elles reconnaissent le sang et non la naissance. Tes jappements n'incitent pas à prendre ton parti. Je veux parler en mon nom. Voilà donc le fils de la cuve. Très ressemblant. Même l'odeur est réaliste. Tes protestations n'ont pas lieu d'être, Uvenk. Je ne vais pas me battre pour ces absurdités. Grunt est prêt. Passons aux choses sérieuses. La désinvolture avec laquelle vous traitez nos rites me plaît encore moins que la vindicte d'Uvenk. C'est à moi et moi seul de décider s'il faut organiser un rite. Si vous envisagez un rituel, j'exerce mon droit de veto. Mon Grunt lui est opposé. Personne ne le soutient. Ma patience est mise à rude épreuve. Mais Uvenk est dans son droit. Grunt, qui est ton Grunt ? Ton groupe d'alliés prêt à tuer et mourir en ton nom ? À quoi ça rime de pouvoir amener du renfort dans une évaluation personnelle ? Tous les Krogan ne peuvent pas être le plus fort des guerriers. Mais chacun doit inciter ses pairs à se battre à ses côtés. Celui qui n'a aucune valeur aux yeux de ses proches. Celui-là doit arpenter le désert et mourir seul avant d'affaiblir mon clan. Grunt renforcera le clan Urnot. Nommez notre cible et elle mourra. Bien parlé. La plupart des étrangers, même certains Krogan, ne comprennent pas notre façon de faire. Cette humaine est l'exception qui confirme la règle. Les étrangers ne connaissent pas la force. Mon Grunt est composé de vrais Krogan. Comment osez-vous ? Cette humaine me plaît. Elle comprend notre voix. Je retire mon veto. Il en sera décidé ailleurs. Il en sort un coup de boule de Vrex, il en sort mon coup de boule. Et de mémoire, je crois que Grunt va lui foutre un coup de boule aussi. Provoquer. C'est assez pour que je vous apprécie. C'est votre problème à présent. Il nous faut un équipement spécial ? Pour entamer le rite, seul le candidat et son Krunt sont nécessaires. Vous aimez le combat, n'est-ce pas, Shepard ? Le dernier râle de l'adversaire mourant. Mettez votre amour du combat au service de Grunt, et il réussira. Ce Krogan risque de nous jouer des tours ? Il lui est interdit de s'interposer. Quant à savoir s'il obéira, tout peut arriver durant le rite de passage, Shepard. D'après ce que j'ai vu jusque-là, je suis confiant. On a assez attendu. Expliquez-nous la suite. Muselez votre impatience, Shepard. Pour l'heure, sachez que Grunt sera mis à l'épreuve et que vous devrez vous adapter. On est prêt. En piste. Parfait. Hey, on est chaud. Patate. Regardez Mordi. Voici la dernière balafre de Tuchanka, l'ultime cité en surface, tombée durant la rébellion. La clé de voûte était dans son cœur. Elle a survécu aux guerres et au passage des siècles. Comme les Krogan, elle s'obstine à perdurer. Si tu souhaites rejoindre le clan Urnot, tu dois contempler la clé de voûte et ses épreuves. À quoi je dois m'attendre ? Qui sait ? Tu devras t'adapter. Subsister face à l'adversité. Le vrai Krogan en est capable.
Inutile d'hésiter, Shepard. Frappez la clé de... Merde. Con. Inutile d'hésiter, Shepard. Frappez la clé de... Attends, on fuit tout d'abord. Inutile d'hésiter, Shepard. Frappez la clé de voûte. Shepard, frappez la clé de voûte. Au commencement, les Krogan avaient conquis Tuchanka, maîtrisé un monde naturel que nous seuls sommes dignes de dominer. Les voilà, je suis prêt. Bon, là pour l'instant c'est calme. Tu vas voir, Joker. Ça va carburer après. En plus, j'y pense. Captec, maintenant t'as le même nom que le pilote du Normandie. Je suis prêt. Mais tu sais que maintenant depuis... Je sais plus combien de temps. Un gros connard. Là, je vais leur montrer ma valeur. Je suis prêt à remettre. Puis nous fûmes hissés vers les étoiles pour anéantir les craintes d'une galaxie. Un ennemi que nous seuls étions en mesure d'aller dissiper. Vermisseau. Venez que je vous tue. Oh putain, c'est rien ça. J'avais zappé ce moment-là.
Merde, je te disais que je gardais. Mais c'est vrai, en plus, oui. C'est vrai que tu m'avais dit ça. Moi, je t'ai juste parlé du pilote, mais en plus, c'est moi. Oh, oui, je parlais du pilote. Et en plus, quand on parlait de ça, il était je sais plus quelle heure, tu vois. J'étais encore à tête. Je commençais à avoir la tête dans le cul, tu vois. Ah, parce que 8h30 de live hier, c'était quand même beaucoup. Bon, c'était un peu facile, hein. Aujourd'hui, tous les Krogan portent le chénophage. Notre récompense, notre malédiction. Ah bah voilà, ils ont spoilé le nom. On n'a pas vu de déboire pendant tout le long du jeu, et c'est la seule fois qu'on va en voir. C'est pas ton kiff, hein. C'est pire, là. Oh, bah imagine-moi alcoolisé. Attends, je me contente parce qu'il y a un succès à l'avoir, à le tuer avant le temps à partir. Sans mourir de préférence. Voilà, succès. Chasse au gros gibier. Les minions dévorés. On a de la compagnie. Tant mieux. Et que ça continue. Tu as survécu et terrassé le dévoreur. Nul n'y était parvenu depuis plusieurs générations. Le dernier en date était Urnot Vax. Mon Krant m'a donné une force dépassant mes gènes, qui sont déjà rudement bons. Il faudra en débattre. Tu dis être pur, n'avoir aucune interférence étrangère dans ton organisme. Allez, Uvenk. Si vous voulez essayer de le tuer, je vous souhaite bien du courage. Pas encore.
Je dois y réfléchir. Pourquoi ? Je ne vais pas me naturaliser d'un coup. Tu es puissant, anormal. Mais ton potentiel pourrait faire basculer l'équilibre actuel des clans. Tu craches sur le nom de mon père, de Shepard, et maintenant tu arrêtes tes jérémiades parce que je suis fort ! Avec certaines restrictions. Tu ne pourras pas te reproduire, bien évidemment, ni servir sur un vaisseau étranger, mais tu appartiendras au clan par le nom. Vous en parlez comme d'un objet. C'est sa puissance que vous convoitez. Vous ne voulez pas vraiment qu'il rejoigne votre clan. Bien sûr que non. Je ne voulais pas non plus coopérer avec le clan Urnot. Mais j'étais bien obligé. Le clan, Gatatog, est sur le point de basculer, que ce soit vers la gloire ou dans l'oubli. J'aurai l'appui des traditionalistes si je t'affronte. Des réformistes si je te soutiens. Ton rite de passage a bouleversé cet équilibre, lui aussi. Grunt n'acceptera jamais ce marché. Et je n'ai aucune intention de le laisser quitter mon équipe. Cette décision ne vous revient pas, Shepard. Ne poussez pas votre autorité. Aucun Gatatog ne te donnerait d'ordre comme ose le faire cette étrangère repoussante. Shepard me fait chier de temps en temps, mais c'est elle qui a vidé ma cuve. Maintenant, crève. Et voilà, un troisième coup de boule. Oh putain, attends, j'ai perdu si vite les barrières. Ouais. Attends. Hop, merde, c'était pas le bon. On aura bientôt le succès d'incinérer les armures. Tant pis pour Uvelt, qu'il pourrisse là. On retourne à la clé de voûte pour décamper d'ici. Passage. Tu gagnes les honneurs d'un clan et d'un nom. Bien des candidats survivent, mais voilà des années qu'un dévoreur n'est pas mort. Vos noms seront auréolés de gloire. Grunt, tu es un Urnot. Tu peux désormais détenir des terres, rejoindre l'armée et demander à servir sous un foudre de guerre. Mon foudre, c'est Shepard. Elle est sans égale. Compris. Félicitations, Urnot Grunt. Accepte ce gage de Fortac. Ces armes sont les meilleures dont nous disposons. Quel était votre nom avant de devenir chaman ? Je l'ai chassé de mon esprit en acceptant cette fonction. Je suis l'exutoire de toute la rage de mon peuple. Il serait immoral de conserver mon ancienne identité. Ma vie appartient au clan. Je voudrais en savoir plus sur le passé de Tuchanka. Tuchanka nous comble de bienfaits. Elle tue les faibles, assaille les indécis et consume les idiots. En ce lieu où la survie est un honneur, les Krogan prospèrent. Nous recouvrons cette planète de notre civilisation pour mieux la raser encore et encore. À chaque fois, nous en sortons plus forts. Quand nous aurons acquis suffisamment de puissance et de savoir, nous dompterons cette planète à jamais. Je n'avais jamais entendu personne vanter les mérites de l'autodestruction. J'aurais pensé que vous seriez en mesure de comprendre, Shepard. Les empires et clans Krogan d'autrefois étaient auréolés de gloire, forgés dans les batailles et les conquêtes. Mais leur fondation était branlante. Sinon, pourquoi auraient-ils périclité ? Quand la civilisation Krogan parviendra à son summum, rien ne pourra plus nous arrêter. Quel dieu, tu me donnes ?
Parlez-moi des rites et cérémonies Krogan. Le rite de passage, vous l'avez vu. Les Krogan subissent le rite de vie à la naissance et le rite d'honneur pour prétendre à la reproduction. Le rite des rencontres a lieu avant d'affronter un nouvel ennemi. Un chef clanique se prête également à de nombreux rites au service de son clan. Et vous, vous avez passé quoi comme rite pour devenir grand chaman ? La voie du chamanisme est faite de tortures inconcevables. J'ai subi des rites qui m'ont donné envie de mourir. J'en ai l'âme balafrée. Chaque jour, à l'aube et au crépuscule, je dois effectuer des rites pour rester en prise avec notre esprit Krogan, fait de violence et de mort. Vous avez un boulot de merde. Sans doute. Je ne veux pas entendre un mot de plus. De toute évidence, vous n'y prêteriez pas attention. C'est devenir ton. Eh ben vas-y. J'ai envie. Chemin de. Je peux monter. Pas grand-chose. Pas grand-chose. T'as entendu? Il paraît que l'humaine et le Krogan élevé en cul. Qu'est-ce que vous voulez? Vrax m'a demandé d'être poli, mais il n'avait pas précisé que vous voudriez me parler. Je cherche un Galarien. Les Berserkers l'ont capturé et c'est par ici qu'on l'a vu pour la dernière fois. Je suis au courant pour ce Galarien. En plus, quand j'ai vu le message, tu me donnes envie. J'ai cru que t'allais me parler de vouloir jouer à Mass Effect. J'ai envoyé un de mes éclaireurs en reconnaissance, mais il n'est pas revenu. Ils ont dû le choper, lui aussi. Le boss m'a dit de vous laisser à des camions. Suivez la route jusqu'à la base de Wirlock. Si vous avez le cran de l'affronter, lui et les Berserkers. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la base du clan Wirlock? Aux dernières infos, le clan est enterré dans un vieil hôpital. Moi, je l'ai pas vu. Je me suis jamais trop approché du clan Wirlock, faut dire. Si j'avais pu, j'aurais fait un carnage. Si vous entrez, prenez un gros flingue. La base de Wirlock grouille de Berserkers. Ce qu'il y a comme demande d'intervention au taf pour que je rigole un peu. Ça ne m'a pas l'air facile à défendre. Pourquoi se retrancher là-dedans? Chaque hôpital de tout Shankar doit être conçu pour résister à une horde de Krogan enragés. Quand on est obligé de passer à nos organes secondaires après une blessure, c'est pas beau à voir, je peux vous le dire. 10 demandes. Oh, ça va. Surtout, a du mal. Y a pas grand-chose. La rage du sang, qu'on appelle ça. Vous savez ce qu'ils en font de ce Galarien? Alors. Il le torture, j'imagine. Prend même pas quelqu'un chez soi pour le tuer. Ah, vous savez, en pose, qui a pas été retouché. Peut-être qu'il s'est mis les berserkers. Poser un joint de silicone au-dessus. Ils l'ont ramené pour lui apprendre la politesse. Moi, ce qu'ils en font, c'est pas mon problème. Ah, y'a rien de plus depuis la dernière fois, le chanceux, l'enculé. Y'a pas de taf en plus? Oh, le chanceux. Pas assez pour t'attirer? Oh, dommage. Bah. Quand vous parlez des autres espèces, vous ne mâchez pas. T'as monté ton PC. Vous en faites pas. C'est ça, tu vas avoir un PC, Joker, tu m'avais dit. Vous le sauriez. Si tu prends le Game Pass, tu as les versions 365 avec Access. Les étrangers s'en mêlent. Enfin, moi, ce que j'en dis. Donc le 1, 2, 3 et. Ah, peut-être le Andromeda aussi. Quelle est la réputation de Wirlock? Et quel rapport avec les Berserkers? Les vrais crevards. Ils vont pas vous dérouler le tapis rouge. Et peut-être un joueur qui a eu accès, ils mettront la trilogie édition. Des mercenaires. La légendaire édition plutôt. Du clan Wirlock, l'un des seuls à s'être implanté ailleurs que sur toute Shanka. Ce sont des fanatiques, totalement dévoués à Wirlock Guild. Je sais pas ce qu'ils veulent à votre Galarien, mais Guild est derrière ça. On parle Game Pass, ok. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce Guild? Il a deux enfants. L'un d'eux est une fille. Certains le prennent pour une sorte de prophète. Pas moi. J'ai un cousin qui a gagné 20 parties de Khazar à la suite, l'enfoiré. Je peux lui demander après. Mais je vais pas lui prêter allégeance pour autant. C'est un coup de bol. Point. Pareil pour Guld. Mais les Berserkers ont des membres non Krogan. Des Vortcha notamment. Ah, les Vortcha. C'est comme les Varen. Sauf qu'ils savent se servir de flingues. Et il chie moins souvent par terre.
Les seuls vrais berserkers, c'est des Krogan. Le reste, c'est juste la chair à canon. Non, attends, je vais pas prendre. Je vais tester. Ça m'a rapport. De jeu qu'il y a, trouver de quoi faire plaisir. Au moins c'est pas très cher non plus. Attention. Ils sont plus faciles à viser comme ça. Juste ce qu'il fallait. Impact. Faut l'avoir le succès des armures. Ah bah je l'ai. Non, vétéran, c'est autre chose ça. J'ai 2000 ennemis dans Mass Effect 1, 2 et 3. Oh, c'est parfait. J'ai qu'à seulement 2000 ici là. Avec tout ce que j'ai buté. Je l'entends qu'on n'a pas fight contre des berserk. Apprendre à voler.
spécial ici. Un hôpital Krogan reconverti. Solide, conçu pour résister aux assauts. Ce cadavre, un humain. Je dois l'examiner. Ecchymose, tumeur, ligature aux poignets et aux chevilles, marque d'injection récurrente, un cobaye. Un martyr de la science. Il n'y a pas moyen de connaître l'identité de ce pauvre diable. Ni tatouage, ni document. Un esclave, un prisonnier, peut-être un mercenaire, ou un pirate, peu importe. En tout cas, c'est un test visant à combattre le génophage. Les humains font de bons cobayes, très diversifiés génétiquement, excellents pour la recherche appliquée. Des expériences sur les humains? C'est avec ce genre de merde qu'on finit par cautionner Cerberus. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. C'est 100 pas très correct au niveau éthique. Peut-être 3 ou 4, et c'est le jeu auquel je joue. Et au-dessus des 3 mois, je suis grand. Se gausse. Rien de surprenant pour des Krogan. Bah après, ça, t'as l'avantage de... T'as un jeu, tu sais pas trop si tu dois acheter, tu dis ah tiens il est dans le Game Pass, je vais m'y mettre. Et des fois t'as un coup de cœur, tu découvres des coups de cœur, tu te dis ouais, que j'ai pas acheté, c'est ce qui m'est arrivé avec Outriders. Je pensais pas l'acheter, mais sorti dans le Game Pass, il est toujours dans le Game Pass, et je m'y suis mis à fond. Et sachant que les exclusivités Xbox ne sortent jamais du Game Pass. Après, à toi de voir s'il y a un jeu où t'as un gros coup de cœur, tu veux le prendre pour toi, tu le prends pour toi. Personnellement, je ne m'en suis jamais servi. Pas très correct au niveau éthique. Tout juste bon aux méthodes de force brute. La science comme le pivot. En tout cas, t'as pas mal. T'as quand même pas mal d'économies sur des jeux que tu fais. Les humains sont après, plus ça dépend. Si, comme je disais, si t'es team, avoir la boîte du jeu. Bon, sur PC, normalement, c'est plus des maths. Les humains font donc que des maths. Si t'as plus beaucoup de CD. Mais même les boîtes en jeu, même les boîtes à jeu, t'as pas de CD, c'est un CD en plastique où t'as juste un code dessus. Je sais qu'on peut paraître très donc voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a des jeux, il reste pas longtemps. Couleur de peau bien plus variée. Non, l'aspect n'a rien à voir. Tout est dans le code. Mais généralement, ils te laissent assez de temps, beaucoup de temps, pour que le temps que tu finisses le jeu. Venu, on sait à peu près à quoi s'attendre. Avec les humains, la palette est trop large. En fait, ceux qui sortent du Game Pass, c'est en fait, c'est des jeux où ils laissent dans le Game Pass pour pouvoir faire un peu de pub au jeu et tout. C'est ce qui s'est passé avec Outrider. Ils ont dit qu'ils ont fait Outrider a une grosse réussite grâce au Game Pass parce qu'ils l'ont mis dans le Game Pass. Comme ça, tous les gens ils ont dit tiens, on va tester. Et au final, tu vas voir que Outrider 2 il sera pas dans le Game Pass. Tout le monde aura aimé le 2, enfin le 1. Ils diront ah bon. Tiens, on va prendre le 2, tu vois. Au vu du cadavre, qu'est-ce que vous déduisez sur leurs expériences? La localisation des tumeurs indique une mutation délibérée des glandes surrénales et pinéales. Modification des niveaux hormonaux. Contre-attaque sur les glandes ciblées par le génome. Après, bien vu. Il faut savoir que il n'y a pas les mêmes jeux Game Pass sur un PC et sur une Xbox. Hein. Vous pensez qu'ils approchent d'un remède au génophage? Par exemple, qu'on n'a pas sur Xbox, t'as tous les Edge of Empires sur le Game Pass, sur le PC. Une contre-attaque hormonale pourrait réparer les dégâts. Les humains sont plus diversifiés génétiquement? Plus variables. Dents de scie, mutations, adaptations, bien plus que les autres espèces. Les humains font donc de très bons cobayes. Réactions plus vives. Bah après, c'est des plus Steam où tu te focuses à fond sur un jeu. Tu joues que sur ce jeu, c'est vrai que vaut mieux que t'achètes ce jeu. Et après, pareil, c'est. Des fois, t'as des jeux, tu sais pas trop et tu pars dans un risque de. T'achètes un jeu et ça se trouve, tu vas pas aimer. Par exemple, il y a Black for Blood qui va sortir sur le Game Pass. Moi, jamais je l'achèterai, tu vois. Mais il sort sur le Game Pass, je vais lui donner une chance. Sachant que Black for Blood, c'est le. La For Dead de la génération. Je suis le porte-parole du clan Wirlock, étranger. Vous avez versé notre sang. D'ores et déjà, vous encourez la mort. Mais dans sa grande mansuétude, notre chef Wirlock Guld vous autorise à partir et propager l'annonce de notre venue. Les Krogan n'ont pas la clémence dans le sang. Qu'est-ce que mijote le clan Wirlock? Partez dès à présent!
et vous pourrez dire à vos enfants que vous avez vu le clan Wirlock avant que nos berserkers ne conquièrent les étoiles. Vous trouvez les urnotes impressionnants? Ah! Ils sont pitoyables! La guilde Wirlock va les anéantir! Le Galaria surmontera le génophage, et le clan Wirlock se répandra à travers la galaxie en une marée de sang! Apparemment, ils ont découvert les recherches de Mylon. C'est fâcheux. Ah, ça dépend du point de vue où tu vas jouer qu'au même jeu, tu vois. Edge of Spire, tu sais que tu vas y jouer longtemps, c'est vrai que vaut mieux que tu l'achètes. Mais moi, je joue à multitude de jeux. Et ça me permet, et franchement, dans ce Game Pass, je découvre tellement de jeux. Et après, je suis du genre à jouer à par-ci, par-là, tu vois. Non, humaine ! Vous ne comprenez rien ! Vous n'avez pas ça dépend comment tu joues. Nous allons réparer les torts qui ont été faits au programme. Si t'es quelqu'un qui joue à beaucoup de jeux, au mieux le Game Pass. Comme je disais, là, toi, t'es plutôt du genre à te fixer sur un jeu, là, vaut mieux que t'achètes ton jeu. Livrez-nous Mylon, tout de suite. Une fois le génophage vaincu, Wirlock Guild sera notre souverain à tous. Vous parlez trop. Vous voyez, cette humaine a raté une cible immobile. Voilà. Par contre, pour l'investissement des jeux en matérialisé, faut investir sur Nintendo. Yes, j'ai utilisé des armures. Enfin. Non, faut le succès des combinaisons biotiques. Le labo doit être de ce côté. Ça sent l'antiseptique et un soupçon de chair putréfiée. J'espère que nous pourrons châtier les coupables. Ça fait longtemps, plein de jeux de Switch. Ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que... Je mets là et on doit plus en trouver. Choper le. Si j'en trouve en version. En jeu. Et Mario la 3D. Les Mario Sunset, Sunshine et Galaxy. Oh, il y a mon bougie préféré. Mutagène hormoneux encore stable. Chaîne polypeptidique, tissu vivant, tissu cloné. Très exhaustif. Vecteur de traitement standard. Pas de bombardement d'immunosuppresseurs pour modifier les niveaux hormonaux. Tant mieux. La plupart des gens ne parleraient pas aussi nonchalamment du développement. Bah Mugi, tu vas rester toute la nuit. Parce que normalement, cette nuit-là, si tout se passe bien, je finis Mass Effect. Il fallait prendre en compte les limites du génophage existant. Pas de droit à l'erreur. Possibilité de stérilité totale, de tumeur maligne, risque de réduction de l'efficacité, pire que de ne rien faire. Il fallait juguler la démographie Krogan. 1 sur 1 millier, le chiffre parfait pour une croissance optimale. C'était comme du jardinage. Vous aurez beau enjoliver tout ça, vous avez assassiné des millions d'individus. Pas assassiné, non. Fécondité réduite en empêchant le développement du système nerveux chez l'embryon. J'ai souvent tué Shepard, de bien des manières. À coups de feu, de couteau, de poison, une fois même avec une machine agricole. Mais médicalement, jamais. Vous dites que vous cherchiez aussi à empêcher leur démographie de chuter ? Oui. Nous aurions pu éradiquer les Krogan. Il aurait suffi d'augmenter les effets génodégradants de la mutation. Mais ce n'était pas notre intention. L'extinction des Rachni est une tragédie qu'il ne faut pas reproduire. Toute vie est précieuse. L'univers a soif de diversité. La plupart des gens ne parleraient pas aussi nonchalamment du développement d'un virus stérilisant Mordine. Ce n'était pas une question de développement, mais de modification. C'est une autre paire de manches. Il fallait prendre en compte les limites du génophage existant. Pas de droit à l'erreur. Possibilité de stérilité totale, de tumeur maligne, risque de réduction de l'efficacité, pire que de ne rien faire. Il fallait juguler la démographie Krogan. 1 sur 1 millier, le chiffre parfait pour une croissance optimale. C'était comme du jardinage. Quelles étaient les conditions de travail pour la modification du génophage ? Un rêve.
On se réveille avec le cerveau en ébullition, on en discute au petit déjeuner, on teste toute la matinée. L'après-midi, analyse statistique. Simulation en soirée, qu'on laisse mijoter toute la nuit. Des échanges de points de vue, passion et convivialité, des fonds quasi illimités. Mordine, comment pouvez-vous être favorable aux génophages ? Regardez ce qu'est devenu Tuchanka. L'état de Tuchanka n'est pas dû aux génophages. Les Krogan avaient déjà provoqué un hiver nucléaire avant le premier contact galarien. Les Krogan ont fait des choix. De refuser l'armistice pendant la rébellion Krogan, de s'étendre après la guerre Rakhni, de se morceler après le génophage. Le génophage est médical, pas nucléaire. Un virus ne fait pas de cratère. C'est la faute des Krogan, pas des galariens. Pas la mienne. Est-ce que je sais... Alors, le Game Pass, t'as une version Game Pass... franchement, les Xbox sont pas trop du genre comme ça à monter les prix. Parce que... ils auraient pu toujours laisser séparer le Game Pass avec l'abonnement Xbox Live. Au début, le Game Pass, t'avais... même toujours, t'as une offre Game Pass à part le Game Pass. Et t'as l'Ultimate Game Pass où t'associes les deux, ça revient moins cher que payer les deux séparés. Mais non, Xbox pour l'instant, de toute façon, même pas intérêt à baisser les prix. Sinon, ça va faire fuir des joueurs Xbox. Donc, pour l'instant, ils vont maintenir les prix pour essayer de. Je sais même plus d'où. Ah non, je viens de là-bas. Tu dois avoir attrapé le PlayStation. Femelle. Les tumeurs dénotent d'expérience, pas de ligature, une volontaire. Je pense pas que t'auras une augmentation du Game Pass. Une femelle Weirlock stérile qui a accepté de devenir cobaye. Sachant que t'as le prix du Game Pass sur PC est beaucoup moins cher que si tu prends un Game Pass console. Je n'aurais jamais cru vous voir mal à l'aise devant un cadavre de Krogan. Hein ? Pourquoi ? À cause du génophage ? Aucun lien. Si, mais indirect. Je n'ai jamais fait d'expérience sur des Krogan vivants. Je n'ai jamais tué médicalement. Sa mort n'est pas mon œuvre. C'est une simple réaction. L'objectif était de stabiliser la démographie. Nous n'avons jamais voulu en arriver là. Je perçois la logique, mais elle est biaisée. C'est toujours choquant de voir ça. Je ne pensais pas que vous aviez été en contact direct avec ce genre de choses. Vous êtes venu sur Tuchanka après avoir largué votre virus ? Mission de reconnaissance annuelle. Oh, échantillon cellulaire, ne pas laisser place à l'erreur. Mes supérieurs voulaient m'en décharger, j'ai refusé. Il fallait que j'en ai le cœur net. Voir de mes propres yeux, en accepter la nécessité, ne pas en rester à la vue d'ensemble. C'est pour ça que je dirige une clinique sur Omega. Après Netflix, ils ont monté les prix parce qu'ils se faisaient niquer sur. Je ne vous imaginais pas parce qu'il fallait un abonnement Netflix par foyer et du coup, t'as tout le monde qui se prêtait le compte Netflix. La vie est fragile. Je crois qu'ils avaient justifié sur ça. Mon credo vacillait. Le projet terminé, je me suis tourné vers les religions. Différentes races, aucune réponse, trop de questions. Vous cherchiez à vous déculpabiliser. Le docteur aux millions de morts. Le projet de modification du génophage était ambitieux. Un exploit scientifique, mais contestable sur le plan éthique. Les Krogan ont réagi sans prendre de recul. Je suis responsable, pas coupable. Responsabilité médicale. Le génophage entrave la fécondité. Il ne tue pas. Mais c'est moi qui ai provoqué ceci. Difficile de rester objectif devant un charnier. Est-ce qu'on peut vraiment justifier un tel acte ? Se donner bonne conscience. La roue de la vie, concept galarien très répandu. Comme la réincarnation chez les humains hindouistes. C'est séduisant de croire en la vie éternelle. On apprend, on répare dans sa prochaine vie. Je refuse de croire que la vie s'arrête là. Aucune finalité, il doit y avoir autre chose. L'occasion de progresser, de transcender. Assez parlé de votre vie spirituelle.
Qu'est-ce que vous déduisez de ce cadavre? Les grandes lignes. Thérapie génique, risque de cancer pour provoquer une mutation bénigne. Les chercheurs Krogan sont des monstres. Ils sacrifient les femmes de leur clan pour progresser. C'est immoral, irresponsable. Entre ça et rendre stérile toute une espèce, j'ai du mal à trancher. C'était nécessaire. La guerre Rakhni, la rébellion Krogan, tout indiquait un déséquilibre. Toutes les simulations prévoyaient l'explosion démographique Krogan. La guerre, l'extinction. Bon, mon vieux, quoi de bon à raconter? Sauver la galaxie face raconte-moi aux Krogan, ta vie, mec. Sauver les Krogan face à la galaxie. Vous auriez pu trouver un remède au génophage. Les Krogan nous auraient été reconnaissants. Vision humanocentriste. Les Krogan raisonnent différemment. Démultiplication des conflits territoriaux. Tout Chanka aurait sombré dans le chaos. Émergence d'un vainqueur. Économie de guerre, armée impitoyable. Conséquences inévitables. Expansion et guerre galactique. Des victimes par milliards que le génophage a sauvées. Alors vous êtes disposé à stériliser une espèce sur la foi de quelques simulations? Oui, des millions de constantes, des années de débats, d'innombrables scénarios. Toujours, le morcellement Krogan représentait un danger. Aucun dogme fédéré pour encadrer le repeuplement. Résultat, la guerre. Éradication des Krogan par les Turiens et les humains. Le génophage était préférable, moins radical. Vu sous cet angle, vous avez fait ce qu'il convenait de faire. Il faut du cran pour parvenir à une telle conclusion. Décision difficile. Parfois, j'aimerais être moins intelligent. Ne pas avoir eu à faire ce choix. Pouvoir me voiler la face. Sottise. Il fallait que ce soit moi. Les autres auraient pu commettre des erreurs. Je suis prêt, Shepard. Non, ça par contre, eux, c'est de la thune. Eux, ils vont justifier parce que les jeux sont plus chers et tout. Là, pour le coup, c'est de la thune. C'est PS1 qui reprend la grosse tête, parce qu'ils ont le monopole. Ouais, ils ont le monopole. Ils ont le plus gros part, tu vois. Oui, t'inquiète pas, oui, les patrons de Sony. Mais non, mais PlayStation, ils ont... Depuis la fin de PS2, ils ont plus la grosse tête. Hein. Genre la PS3 à 600 balles, c'est non justifié. C'est non justifié.